الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله 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 يا مولانا الله الله خير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وعطى الله المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة صل على سيدنا محمد وارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا أرحم الراحمين. Quand on entend le muaddin, qu'est-ce qu'on fait après? Le dua. Hein? On fait salat à la Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On attend le muaddin, on répète ce qu'il dit, et après on fait salat à la Sayyidina Muhammad et on demande à Allah, « Oh Allah, le jour de la résurrection, fais que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit dans le maqam al-mahmoud, dans la station al-mahmoud de louange. » Donc, on entend l'appel, on répète, et le dua qu'on fait, on fait salat à la Sayyidina Muhammad, et que Sayyidina Muhammad, le jour de la résurrection, est la station, cette grande station qui est faite pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Hein? À chaque fois que tu entends le muaddin, tu répètes ce qu'il dit et tu fais salat à la Sayyidina Rasulullah. Et tu demandes la station, cette station pour Sayyidina Muhammad. Il faut que ça devienne un réflexe. Il faut que ce soit dans ton son. Muaddin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa atu Allahumma qam mahmoud ladhi wa atta. Parce que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ressuscité et devant lui, il y a Sayyidina Bilal. Et Sayyidina Bilal, il fait l'appel de la prière. Sayyidina Bilal, avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait l'appel de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et toi, quand tu entends cet appel, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu faisais ici, c'est devenu un réflexe, c'est devenu en toi. Tu entends l'appel, tu dis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa atu Allahumma qam mahmoud ladhi wa atta. Ça veut dire, tu seras avec qui? Avec Sayyidina Muhammad ou Sayyidina Bilal. C'est pour ça que Sayyidina Nabi il nous a appris à réciter ce dua chaque fois qu'on entend. Et le jour de résurrection, tu n'iras nulle part. Tu seras avec Sayyidina Muhammad. Et tu vas profiter de la station de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, 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 Allah